première mondiale, nous présentons Astrolab, qui est un véhicule électrosolaire qui se nourrit du soleil pour se recharger. Un véhicule de déplacement interurbain, en fait, avec une vitesse de pointe de 120 km/h et une autonomie de 110 km. Donc, c'est un concept car pour le moment, mais qui va être commercialisé prochainement. In a normal startup situation, you're going to start up in electric mode, just with the electric motor driving you, so you pull away silently. When you need some more power, as you start to accelerate, the gasoline engine will start up as well, seamlessly and continuously. You can then accelerate on. As you accelerate hard, you're then getting a combination of power from the gasoline engine, power from the battery driving the electric motor to give you the acceleration, the torque that you want. Lorsque vous prenez du pétrole, qui est une énergie fossile qui est emprisonnée sous terre, il y a du carbone dedans. Ce carbone, vous le prenez à l'extérieur, vous le transformez, vous le mettez dans une voiture et vous le rejetez à l'extérieur. Dans le cadre de la photosynthèse, les plantes vont en assimiler une partie, mais pas complètement. Donc, vous rajoutez en permanence du CO2 dans l'atmosphère. Lorsque vous prenez de l'éthanol, c'est un alcool qui est fait à partir de la fermentation de betteraves, de canne à sucre ou de blé par exemple. Vous prenez ce CO2 dans les plantes, vous le transformez et vous le consommez. Et ce CO2 que vous avez pris dans l'atmosphère, vous le rejetez de manière équivalente. Donc c'est un cercle qui est fermé et qui ne rajoute pas du CO2 dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on dit qu'à terme, on pourrait rejeter 75% de CO2 en moins par rapport à ce que l'on consomme avec une énergie fossile. Yep.